Bon, juste avant, monsieur, c'est toujours un honneur, c'est toujours un plaisir pour moi. Et à chaque fois, j'ai une opportunité pour me faire valoir pour un dîme dans micro la presse. Et me féliciter nous, parce qu'à chaque instant, nous avons permission ça, ça a toujours marqué, hérité dans le. Et juste avant même nous commencer avec Point de nous, et permettre de saluer la population haïtienne, spécialement, et tout le monde nordiste, spécialement mon cap, cap bien pour garder et tendre et prévention ça. Concernant la révolution, comme c'est la première remarque, je pense que la semaine dernière, nous avons fait une intervention sur ça déjà. Et peut-être que c'est une autre occasion encore nous bon pour parler de lui. Eh bien, je profite de ce passage avec nous pour parler. Peut-être que le thème révolution, peut-être qu'il y a plus de choses aujourd'hui. Je pense que tout le monde qui a utilisé ce thème, peut-être qu'il n'y a pas de grand retour. Peut-être qu'il n'y a pas de débrouiller dans le dictionnaire ou bien il y a une recherche quelconque. Mais si il y a un monde qui avise, il y a un monde qui réfléchit. Si vous attendez un monde qui a fait une révolution, et puis c'est comme ça où elle lui-même l'a agi, il faut déjà automatiquement voir un monde. Ça, c'est un monde qui a dit tout le bagaille, mais sauf révolution. En imaginez, on parle de révolution, et puis tout là, c'est donné, c'est Koudjaï, c'est Banou en vie prend, c'est manifestation en vie fait, et puis ou dit, c'est révolution à parler. Et puis c'est là pour toute la journée, on va pouvoir divaguer, on va doter, et puis qu'on y a pour dire, on va faire révolution. Révolution qui ça? Planification, révolution, c'est un bagaille, c'est un cheminement. C'est toute une quantité d'options, toute une quantité de marge pour quitter pour planifier. Et puis ce n'est pas des bagues qui sont faites dans la rue, ce n'est pas des bagues qui sont faites dans les médias, c'est des bagues qui sont faites en clandestin. Comment vous voulez dire c'est par Amen? Comment? Par attaque Amen? Bon, si nous parlons de révolution, et puis nous connaissons type qui parle de révolution encore, nous connaissons type qui a besoin de faire des mouvements amis. Oui, automatiquement, yes. C'est à ça nous fait référence. Bon, je pense que ça va être un jour. Nous, nous qui est ces derniers temps qui fabriquait par l'ambassade américaine, qui a vu avec thème ça. Et puis, je dis nous bien, thème révolution, déporté à Guy Philippe a utilisé, peut-être, je pense que thème ça, c'est pour faire passer. Parce que l'ENCO, une émission Guy Philippe, parce qu'il ne prend pas quelques temps pour me réfléchir sur lui, et je dis à ma parole, après, nous, un petit secret. Grand ensemble de monde, nous, on ne parle pas aujourd'hui. On regarde dans qui média, qui va y parler. On regarde qui journaliste qui a fait propagande pour lui. On regarde journaliste qui est-ce qui donne aux journalistes ça. Leur prend presse traditionnelle là par exemple, ou a parlé directement de Patrick Moussignac. Leur dit Patrick Moussignac ou dit ambassade américaine. Si je dis même groupe monde qui donne Patrick Moussignac, c'est eux qui a monté yon nek, et bien ça dit, ils ont marré déjà, ça dit, ils renforcent ses convictions comme déjà qu'on est. Et Guy Philippe vient en Haïti, c'est pour venir renforcer Ariel Henry. Parce que le climat politique a monté là. Le climat fait quoi que. Et comme CARICOM, dans la première mission, il vient là. Dans la première commission civile, deuxième commission civile, troisième commission civile, il vient. Il n'y a pas de résultat. Parce que fait de route, il y a un c'est quitter PM Ariel Henry dans ce pays, élargir HTCA avec un autre gouvernement largement large. Et mais comme c'est que police qui a fait police dans le pays, ils ont dit non, c'est pas Ariel Henry sa condition, et bien ils n'ont pas qu'à jeter en tête tout ça. Ça, quand vous voulez imposer, ils n'ont pas d'accord avec elle. Il y a une contention qui est des mouvements qui commencent à annoncer pour à la veille de 7 février. Parce que Ariel Henry, dans l'accord 21 décembre, même il était signé, il était dit qu'il a fait l'élection 7 février, ça, pour qu'il y ait un autre monde qui remplace. Comme il va faire élection, il déjà connaît le secteur policier pour demander le départ parce que lui-même, il n'a pas répondu à la charge, il n'a pas répondu, il n'a pas délivré la marchandise. Hein? Eh bien, pour empêcher ça, eh bien, international là, vini avec même sacré les théories du complot. Côté, on vient avec un monde pour qu'il y ait l'opinion publique là, jusqu'à ce que 7 février arrive, ils font l'autre gouvernement, l'âge avec Ariel Henry. Parce que si la tension politique a augmenté, l'a obligé. L'Ariel va obliger PM Ariel Henry quitter le pouvoir 7 février. Mais si l'opinion publique a fixé son seul monde qui vient faire chantage, vient faire diversion, eh bien, on pourrait pas avoir trop de temps sur la police qui a monté, PM Ariel Henry a obligé de rester. Seulement pour ça, mais c'est pour une question de révolution. Je parie avec nous. Quel que soit le monde qui veut parier avec nous, après 7 février, la question de Guy Philippe a été. Mais bon, nous, on a parlé de révolution, mais on vise un seul monde. Est-ce que la révolution est capable de faire contre un seul monde ou bien contre un gouvernement? Non, monsieur, soyez fou ou sage. Monsieur, je n'ai pas le fond de paramètre tout petit. Je n'ai pas pouvoir non même. C'est moi qui dirige le pays, moi qui chef de l'État qui dirige le pays. Yo n'est venu, il vient dire, il vient faire une révolution, il vient chambarder le système. Non. N'est-ce pas qui est qui délégué, qui détaché des policiers, mettez des doigts, c'est moi encore pour venir renverser.
nèg ça encore qui est-ce qui déplace et qui détache des agents ça pour mettre dedans, c'est moi même qui gagne pouvoir, il vient démanteler nèg ça connia qui concrétise l'argent dans main. On imaginer qui Philippe a vu nos cap, il prend un avion privé mettre dans n'importe au cap avion privé a même enregistré vol là par ici qu'il a vu nos cap. Mais en aller, est-ce qu'il y en a qui viennent faire une révolution? Si ce n'est pas agent gouvernement, ce n'est pas même travail, il y a même boss, c'est blanc qui finance qui viennent faire une diversion, est-ce qu'il y a un comportement ça pendant qu'on pouvoir gagner place? Pas de question, la question de révolution, c'est un thème parce que je dis, Haïti est tellement arrivé dans une situation côté, il y a extrêmement difficile, il y a bout à question gang, à un ensemble de gens, système de gens, occident plus génois. Eh bien, je dis, quel que soit le monde qui vient avec un discours populiste, quelques amis qui viennent avec un discours de révolution, ou a toujours ouais population embrassé, ou a toujours un ensemble de bon frange. C'est pas toute population frange de population qui embrasse l'idée parce que soit une vision comme ça, mais projet là, c'est pas projet ça. Guy Philippe pas qu'à atterrir et il connaît, il va qu'à délivrer machin ça, il connaît ça, c'est pas vrai. Devant les États-Unis, il y en a qui sont pour prison. Et puis je dis, on va venir chercher des systèmes. Je dis, on va venir prendre une révolution en Haïti. Et puis l'Occident lui-même, si c'est pour un complot, pays à prendre là-dedans. Si c'est pas ça que les théories du complot, et bien je dis, vous pensez, ils ont à l'aise, ils marcher dans tous les côtés, ils marcher, prendre un micro, prendre la voix parler. Donc, Guy Philippe n'est pas le premier monde qui lance le genre de mouvement, révolution, révolution. Donc, je vous dis, Guy Philippe et qui l'autre monde qui t'a dit révolution, tout à coup, ancien sénateur Noamoy Jean-Charles, et qui a lancé le mouvement comme ça tout. Qui est-ce qu'on nous qui a fait une révolution pour chambarder? Parce qu'on dit, son chambardement, c'est tout un processus. Qui est-ce qu'on nous qui est capable de mener un tel combat? Je dis, ce n'est pas la question de un grand monde. Je dis, le pays d'Haïti est arrivé dans une phase pour avoir un éclatement social, pour avoir un chambardement total pour le système ça. Parce que le système ça, il a trop longtemps, tout le monde qui est entré dans le système, il comprend tout le monde, nous avons estimé que le système ça, il n'y a pas de résultat, il a offert. Je veux dire, c'est tout haïtien pour conscient de l'état pays pour que yon l'autre leader, yon l'autre monde promote, pour l'autre monde monter, peut-être pour chambattement fait total, mais c'est pour question de monde pour appuyer sur lui, pour nous dire que ça capable faire révolution. Automatiquement, il y a un monde qui est en cible qui dit que ça capable faire révolution, pour garantir que l'Occident a crasé depuis dans jeu. C'est ça que fait aujourd'hui. Et le message m'a placé pour les haïtiens, éviter. Fait très attention pour ne pas prendre un PHTK 4e version. Parce que tout ça qui a manigancé là. Attends, j'ai 3 versions déjà. Bon, l'on prend Michel Martelly, c'est la première version. L'on prend Jovenel Moïse, 2e version. Jodi Ogen Ariel Henry, 3e version. Et puis José Go, 4e. Il y a manigancé là pour venir avec un monde. Pour tout ce qui a fait là, c'est arrangement, c'est complot qui a fait pour PHTK toujours être sur le même système passé avec PHTK qui gangle, gang dans tout le pays. Là, qui mettent des situations sur le côté peuple là. Et puis ce peuple là, pas qu'à vivre. Et bien je dis, c'est ça même. Il a fini, il a fait diversion, il a fait tout bagage pour permettre, yo bon PHTK non l'élection Magoul, Jean-Pierre Lyogé pour faire. 4e version. En tout cas, dernier mot, infini. Bon, dernier mot, monsieur, je pense, et tant que je me lance un message, je me lance la lettre là pour la population. Je dis à complot qui a fait là, même complot qui a fait en 2024 là. Je dis en 2004, c'est même complot ça, 20 ans après. Yo vin avec son autre forme, c'est toujours même moun yo, c'est toujours secteur privé, c'est toujours Guy Philippe, c'est toujours même moun yo utilisé, ça fait que yo tourné pour conserver statu quo. Parce que avec régime sa yo, avec genre de comportement, genre de dirigeant sa yo, eh bien l'Occident et international yo senti yo à l'aise. C'est ça que fait, la petite population comme dernier mot, rete très, très viatif. Pas prendre un nek à venir faire faux témoignage, vin avec vieille diversion, vin parle de révolution, sans le pas qu'on est côté la commencé, côté la fini. Pas prendre un courant pour venir faire mon n'importe si mot. T'as que j'ai venu avec son nek banane. Nous prenons un euphorie. Je dis à faire nous placer tête nous sous deux épaules nous pour que nous y payons ça un jour. Toute fois qui était ça, toute mercenaire politique ça, qui vient faire job pour l'argent, pour l'international, un jour population doit décider pour sanctionner mon ça et n'importe façon. Merci, monsieur.